culture traditionnelle des femmes, donc qui m'a marquée quand même dans mon enfance, et qui a fait que dans mon rapport à la littérature les premières années, j'avais une sorte de grand écart intérieur à faire. Je rentrais dans la littérature un peu les yeux bandés, fermés. Et ça vient du fait que dans notre culture, et y compris cette culture andalouse, la norme, la valeur, c'est de ne pas parler de soi, c'est de parler en lieu commun. Et brusquement, vous commencez à écrire et vous voyez que vous écrivez sur votre personne et sur votre vie, même si c'est d'il y a 5 ans ou d'il y a 10 ans. Alors c'est comme si je, non seulement j'étais nue, c'est-à-dire sans voile, mais c'est comme si j'étais nue de l'intérieur. Donc j'étais vulnérable. C'est un problème peut-être qu'ont toutes les femmes écrivaines, mais que moi j'avais un peu plus, à cause de cette éducation des femmes de chez moi, où on ne doit pas parler de soi. On ne dit jamais « je ». Et plus c'est intime, et plus on doit prendre des détours et suggérer la confidence ou le rapport personnel, le suggérer par des métaphores très très allusives. Est-ce que toutes ces femmes qui n'ont pas d'écriture, toutes ces femmes qui ne sont souvent que dans une transmission orale, est-ce que c'est pas leur voix que je vais ramener? Est-ce que c'est pas toute cette mémoire? Et au fond, j'aimerais bien passer inaperçu, j'aimerais bien que dans mon texte, ça soit comme si c'était 20 Algériennes qui mêlaient leur voix. C'est ça ma vraie ambition. Bonjour, c'est Hammam aujourd'hui, comme d'habitude, comme tous les jeudis. Hammam, c'est sur Al-Jushen 3 et c'est une rencontre pour vous les femmes, par vous les femmes et avec vous les femmes. Au sommaire d'aujourd'hui, un portrait de Madame Bouzard. Madame Bouzard, c'est le portrait d'une femme qui a milité pendant la guerre de libération et qui milite aujourd'hui pour que des femmes puissent vivre dans la joie, dans la sérénité. Tous les jours, je mène un combat. Tous les jours, je sors quelqu'un dans la rue. Tous les jours, je lui sauve la vie à une sœur qui est en détresse. Et ça, je l'ai toujours fait. Et je continuerai de le faire. Et personne ne m'empêchera de le faire. Et si on m'empêche de le faire, je prendrai les armes pour défendre ce droit à l'identité algérienne, à l'identité de femme algérienne. Ça, je me battrai. Et j'entraînerai du monde avec moi pour se battre. C'est le fond. De 11h à midi. Et avant de commencer le reportage et d'écouter la première partie de l'émission, je vous propose d'écouter une chanson. La femme ne s'exprime plus chez elle. C'est devenu quelque chose d'éteint. Elle est récroquevillée dans son coin. Elle n'a plus rien à dire. C'est le refuge dans la religion, comme certains le veulent.
Alors que ce n'est pas ça du tout, hein. C'est pas ça. L'islam, c'est quelque chose de merveilleux. L'islam, la femme a un rôle très important dans le milieu familial. Non, non, moi je me battrai, ça, il n'en est pas question. Et nous sommes toutes déterminées. Et j'entraînerai du monde avec moi. Et j'entraînerai les jeunes avec moi. J'ai perdu ma mère, j'avais 6 ans. Donc j'ai été élevée, disons, par mon père, avec mon jeune frère. Et il a été mon père, il a été ma mère, il a été mon éducateur politique. Quand il y a eu la lutte de libération, je me suis investie totalement. Bon, je suis passée tout de suite dans les groupes de choc rural, parce que j'avais un petit peu le profil, j'ai coupé mes cheveux, on m'a fait couper mes cheveux, on m'a obligé d'apprendre à fumer pour me ressembler le plus possible à l'européenne, pour passer inaperçu. Et j'ai tout de suite été, je vous dis, dans les groupes de choc, et j'avais eu la chance d'avoir un brevet de secouriste. Si j'ai donné des soins aux blessés, j'ai extrait des balles avec une pince à épiler et une aiguille à coudre. Non, mais il faut dire les choses telles qu'elles sont, il n'y avait rien au départ. On avait un fusil mitrailleur italien, il fallait le transporter dans toute la zone parisienne. Ça a duré pendant plus d'une année, moi je vous parle de ça en 55-56, tout au début. J'ai été dans la Fédération de France, ensuite je suis parti par l'étranger, par l'Europe, la Suisse, la Belgique, l'Allemagne, etc. Et l'Italie, je suis passé donc sur les camps de réfugiés en Tunisie. Là, j'ai beaucoup œuvré aussi du côté féminin. Chez les camps de réfugiés, c'était quoi? C'était les femmes et les enfants. Et je me suis aperçu que le 99% de la femme était illettrée. Donc il y avait un énorme travail à faire. Quand je suis rentré en Algérie, dans le quartier très populaire de Bellecourt, j'ai pris Naïma, la clinique Naïma, qui était une clinique privée. J'en ai fait un centre d'accouchement. Et j'avais fait à côté un petit centre d'hébergement pour quelques filles mères. Il y avait très peu de filles mères, il y en avait quelques-unes. Bon, on me l'a vite fermé parce que c'était pas possible, il fallait pas, c'était un sujet tabou. Et j'ai fait un petit peu de planning familial. Là aussi, on m'a un petit peu bloqué parce qu'il ne fallait pas, c'était aussi un sujet tabou. Il faut lever le voile. Il faut lever les tabous. Tout est à revoir en Algérie. Il y a cette femme malheureuse. Elle est malheureuse chez elle. Nous avions acquis, pendant la période de libération, pendant la période de lutte de libération, le droit d'égalité. Nous étions égales à l'homme. Je crois qu'on a un peu oublié le combat des Moudjahidettes. On l'a mis de côté. Il y a eu le retour à la maison et toutes ces Moudjahidettes, on les a un petit peu écartées. D'abord, il y a eu un souffle, il y a eu une pause, il y a eu une fatigue. Vous savez, 7 ans de lutte, sans foyer, sans famille. Pour une femme, c'est très difficile, surtout la femme algérienne qui était habituée à vivre dans une espèce de cocon, dans une espèce de protection familiale, avec le burnous paternel, avec le frère à côté, qui d'un seul coup se retrouve avec une multitude de frères, parce que ça, j'insiste là-dessus, c'était un esprit fraternel. Hein? Nous étions des frères et des sœurs, et nous étions un. Nous n'étions pas une femme et un homme, nous étions un combattant. Et ces femmes-là sont rentrées dans leur foyer, dans leur coquille. On leur a dit, rentrez chez vous, c'est fini, la lutte est terminée, bon, ben, vous rentrez chez vous. Il y a eu ce code de la famille qui a brisé l'élan féminin. Et c'est nos maris machos, et c'est nos hommes machos, qui ne nous permettaient pas de nous investir totalement. Il y a énormément de femmes dans la rue. Il faut faire un petit tour dans les arcades, il faut faire un tour du côté des gares. Les femmes vont se cacher pour être à l'abri du côté des postes de police. C'est une chose qui n'a jamais existé en Algérie. Donc il y a explosion de la cellule familiale et il y a le non-retour vers le centre de la famille. Auparavant, quand une femme divorçait ou quand une femme avait des problèmes, elle revenait chez elle, elle était accueillie chez elle. Et il n'y a plus rien maintenant pour la protéger en ce qui la concerne. Donc elle se retrouve où? Elle se retrouve dans la rue. J'ai pensé, j'ai dit, comment pourrais-je rendre service à toute cette classe sociale qui souffre et qui apportera des problèmes un jour à cette Algérie nouvelle. C'était donc la femme. Elle est en détresse dans sa condition sociale, elle est en détresse dans sa condition de femme féminine, elle est en détresse dans sa culture. Moi, je dis qu'elle est en détresse
avec un grand SOS. Tout le monde le sait maintenant, en Algérie, il est vrai que la femme ne se sent pas très bien dans son corps dans la rue. On est agressé de toutes parts, par les regards, par la mentalité un peu conservatrice, c'est une société en pleine mutation. Il est vrai qu'il y a toute une génération qui monte, de jeunes filles superbes qui marchent dans la rue d'une façon très décontractée, qui sont bien dans leur peau et tout. Mais c'est pas évident. Il y a encore une agression, l'agression du regard de l'autre, l'agression d'une nouvelle mentalité qui s'installe aussi, parce que c'est un pays qui évoluait vers la modernité, mais qui depuis quelque temps est freiné par un autre courant, plus conservateur que le courant traditionnaliste, c'est le courant islamiste, alors qui lui renie complètement le corps de la femme. Nous, on vivait dans des familles qui étaient traditionnelles, qui avaient eu leur culture, une culture qui était traditionnelle. Mais en même temps, tu vois, on a quand même eu les privilèges dus à une indépendance nouvellement acquise. Le système dans lequel nous avons vécu, du fait justement de cette indépendance nouvellement acquise, eh bien, dans ce système, on nous disait priorité au savoir, même si vous êtes des filles. On nous disait ouverture sur la modernité. On nous disait émancipation des femmes. Évidemment, c'était un double discours, mais bon, tout au moins, on nous disait participation de la femme aux tâches d'édification nationale. On avait besoin de cet apport féminin, mais ça nous a quand même permis de décrocher un certain nombre de choses, d'arracher un certain nombre de choses. Et maintenant, dans le discours ambiant, aussi bien dans le discours politique que dans le discours social ambiant, il y a un recul, un très net recul. S'il faut descendre dans la rue, on descendra. Hein. S'il faut se bagarrer, on se bagarrera. Heureusement, grâce à Dieu, il y a des femmes qui sont capables. Si je suis habillée comme ça, c'est ma religion, c'est pas le fils. Le fils, c'est pas une religion, c'est un parti. Donc je m'en fous de ce qu'il peut penser. Moi, c'est ma religion qui me demande ça. Bon, je l'ai su, je l'ai appris, je l'ai compris un peu sur le tard, mais il n'est jamais trop tard pour bien faire. C'est un choix personnel. C'est un choix personnel, c'est moi qui ai voulu. C'est plus de la piété qu'autre chose. Ma fille ne le porte pas. Et elle est très bien comme ça, si elle a envie de le mettre, elle le met, mais... Puis je suis contre. Je suis tout à fait contre qu'on oblige les gens à s'habiller d'une façon ou d'une autre, ou à faire la prière. Ils sont libres, ça vient de l'intérieur. La pratique de la religion, si les gens n'ont pas envie, qu'on leur fiche la paix. Dans les années 40, donc 10 ans, 15 ans, une demi-génération avant la guerre d'Algérie, le sultan du Maroc, Mohamed V, dévoilait en public sa fille. Donc c'était aussi une période où il semblait que les hommes musulmans allaient, à la suite évidemment de ce qui s'était passé au Moyen-Orient dans les années 20, allaient vers une émancipation des femmes, sous autorisation par intercession paternelle. Mais mon père était instituteur de langue française. Donc en fait, c'était lui l'intercesseur. Et donc c'est le père qui a dit, ma fille, elle continue. On ne va pas, comme on dit en arabe, hajbouha, c'est-à-dire prendre le voile. Prendre le voile même au sens religieux, hein, comme chez les catholiques. Donc à 11 ans, mes cousines, elles, sont restés à la maison, parce qu'il fallait les préparer au mariage, et donc c'était la claustration,
Mais en fait, j'ai découvert ce que je n'avais pas pensé. C'est que de ne pas avoir pris le voile, c'était grâce à la langue. Et c'est grâce au père. Peu importe que je sois devenue écrivain de langue française. Mais grâce à la langue, c'est-à-dire grâce à l'école. Mais la langue m'a apporté l'espace. Au moment où j'étais la seule dans ma classe et la seule, avec des copines au dortoir, filles d'Italiens, de pieds noirs, et avec qui j'avais des relations sympathiques, elles ne se rendaient pas compte, elles souffraient d'être internes. Mais moi, l'internat, ça m'avait apporté un tas de choses que ne m'aurait pas apporté la maison. Ça m'avait apporté le stade, le basket, le sport, et un tas de choses. Et donc, et en même temps, j'avais l'espace. Mais tout ça pour dire qu'évidemment, la claustration ne s'est pas posée. Ma grand-mère ou bien les dames, parce que ça passait par les femmes, pas ma mère, mais ma grand-mère ou les vieilles tantes, me regardaient d'un air suspect à 13-14 ans pour dire « mais vous n'allez pas en faire un homme, mais il faut qu'elle retourne à la maison, les demandes en mariage vont arriver, il y avait le schéma ». Et c'est mon père qui disait « non, elle fait ses études ». Alors on disait, je l'ai dit dans L'amour, la fantaisie, ma mère disait, c'est pas de ma faute, taqra, c'est-à-dire elle lit. Elle le disait, elle lit, c'est-à-dire elle étudie. Donc c'était une sorte d'excuse, mais en fait c'était ça la clé. Je suis issue d'une famille de femmes. Je n'ai pas de frère. Nous sommes 6 filles. J'ai eu un père magnifique qui ne nous a jamais considérés comme un sous-produit. Il n'a jamais souffert du fait de n'avoir eu que des filles. Et je crois que si aujourd'hui j'évolue dans la société en étant à l'aise par rapport à mon corps, c'est grâce à mon père. Parce que oui, dans ma famille, notre corps n'a jamais été une honte. Je sais, par exemple, moi, ce que je trouvais naturel chez moi, beaucoup plus tard, j'ai découvert que, par exemple, dans de nombreuses familles algériennes, les filles ne partent jamais à la plage avec leur père. Alors que chez moi, depuis que j'étais jeune, quand on partait en vacances ou à la plage, les week-ends, c'était avec mon père. On n'a jamais eu honte d'être en maillot de bain devant mon père, même une fois adulte. Au cours de notre éducation, les mères n'arrêtent pas de nous dire « stré rohak », ce qui veut dire « cache ton corps ». Et c'est vrai que, bon, il y a toute une éducation qui, à un moment, ne peut que nous mettre mal à l'aise par rapport à notre corps. Pourquoi toutes les mères en Algérie ne peuvent pas dire « j'aimerais avoir un beau garçon, j'aimerais regarder un joli garçon » puis dire « oh, il est beau ce garçon, oh, elle est jolie cette fille, j'aimerais bien ». Pourquoi pas? Mais il faut apprendre à aimer la beauté. À aimer la beauté. C'est aussi un combat. Elles étaient jolies, nos femmes, quand elles étaient au maquis. Bon, on essayait de se faire oublier notre féminité parce que... Mais il n'y avait pas du tout de problème entre l'homme et la femme. Il n'y avait aucun problème. Mais elle était jolie, la femme algérienne. Combien de gens l'ont dit? Mon Dieu, qu'elles étaient jolies, toutes ces petites jeunes filles. Si je vous montre des photos de l'époque où j'étais, vous n'allez pas me reconnaître. Nous étions jolies. Et nous aimions entendre dire que nous étions jolies. Malgré la guerre. La femme est belle, et il faut lui dire qu'elle est belle. La femme est tendre, il faut lui dire qu'elle est tendre. Et la femme est féminine, il faut lui dire qu'elle est féminine. Il faut qu'elle sache qu'elle peut être agréable à regarder. Il faut qu'elle sache qu'elle peut donner des sentiments. Elle en a plein à donner. Elle est muselée, mais elle est pleine de sentiments. Il faut qu'elle puisse les donner, ces sentiments. Il faut qu'elle puisse aimer et être aimée. Mais apprécier la beauté, moi d'après ce que j'ai lu et vu, le prophète aimait la beauté, il aimait tout ce qui était beau. Avant d'aller à la prière du vendredi, c'était il se parfumait, il s'arrangeait, il s'habillait bien. Il aimait ce qui était beau. Pourquoi un petit rien du tout de maintenant, il refuse ça? Et de dire à une femme, ton corps c'est un péché, ben, le bon Dieu il a créé les femmes, il a créé les hommes, il a créé les plantes, les animaux, il a fait un tout. C'est pas lui, à la fin du XXe siècle, qui va venir changer les choses, c'est impossible. Donc vous défendez l'idée que la femme doit être belle? Mais c'est normal.
Elle doit être belle. Si le bon Dieu lui a donné la beauté, elle ne peut pas faire autrement, elle ne va pas aller se balafrer. C'est le bon Dieu qui lui a donné, elle doit l'accepter. Et celui qui est à côté, il doit faire la même chose. Alors les hommes, si le bon Dieu leur a donné des yeux, c'est pour s'en servir. Il n'a qu'à regarder et se taire. Moi, je leur dirais, apprenez à regarder en ayant l'esprit vide de toute pensée malsaine. Moi, je n'ai pas de problème. Hein. Je peux parfaitement regarder un homme en face, n'ayant pas de pensée malsaine, je peux soutenir le regard. Mais je me rends compte que lorsque le regard est détourné de ma personne, c'est parce qu'en face, il y a des pensées malsaines.